Avant de retrouver cette petite vidéo, je vous fais une légère mise au point, c'est-à-dire que j'ai envoyé donc une vidéo de ma chaîne à un avocat justement, et il me disait oui, mais tu ne devrais pas racialiser la mafia. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est vrai qu'on dit la mafia, el mafioso. C'est pas mal, c'est franchement pas mal comme point de vue. Ne pas racialiser une mafia. Alors, c'est vrai que ça marche, surtout et principalement avec le Grand Orient de France. On y retrouve beaucoup de membres hein, vraiment mafieux hein, quand même. Hein. Donc, ça marche aussi dans certaines gauches. Hein, et je pense que la Grande Gauche nationale de France, ça doit être pareil. Rotary Club. Oh, extraordinaire le Rotary Club. Ne pas racialiser la mafia. C'est comme si vous disiez, bon, c'est vrai que chacun a sa spécialité, hein. Mafia israélienne, c'est, ils sont très forts dans la drogue, ils sont très forts dans les attentats. Chacun a vraiment sa spécificité. Hein. Mafia italienne, bon, on connaît la fameuse Casa Nostra. Ouais. Voilà. Je faisais ma petite mise au point. En fait, ça apporte rien de plus. Mais c'est juste avant de vous faire découvrir cette vidéo. Voilà. C'est une introduction. Voilà. Avec Mafia. Bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Devinez où je me trouve. Donc, il y a pas mal de circulation. Memphis, ça doit être un bar. Allez, je vous donne un indice. Non, c'est pas un bar. C'est un restaurant hamburger. Donc, indice USA. Voilà. Et là, je fais une vidéo. Je fais une vidéo USA aujourd'hui. Et donc je me rapproche un petit peu. Et puis, oh surprise, mais c'est un arbre, mais qu'est-ce que ça peut bien être derrière? Ah, j'en fais des tonnes. Et donc je me rapproche. Et puis on arrive tout doucement mais sûrement vers la statue de la Liberté. Ouais. Ah tiens, je veux dire, non mais attends, t'es au States? Non, 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 même pas, même pas, même pas. Regardez-moi cette magnifique reproduction. Alors en fait, pour la petite histoire, la statue a été déplacée, notamment sur les rives de la Seine. Parce qu'en fait, pour ceux qui suivent l'Armada à Rouen, vous avez toutes sortes de navires hein, qui viennent de... Voilà, de différents pays, donc y compris des États-Unis. Et puis si je vous fais voilà, cette vidéo à côté de la statue de la liberté, c'est tout simplement pour vous parler de liberté de créer, de vivre, de se déplacer. Et puis, donc je vais faire un petit rapprochement avec Monsieur Eric De Stefano, tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur De Stefano, De Stefano, c'est un nom plutôt italien, de consonance. Je pense qu'il doit avoir des origines, voilà, de sang mêlé, comme dit monsieur Moretti. Ah, je ne fais pas le rapprochement entre Moretti et Stefano. Attention, je précise quand même, parce que, à mon avis, on n'est quand même pas du tout sur le même type de personnage. Et donc cet avocat, voilà, parce que c'est un avocat qui fait. D'ailleurs, je regardais parce que je me suis dit, tiens, faut quand même regarder exactement ce qu'il fait, quoi. C'est un avocat en droit social, apparemment. Et grâce à cette personne, donc vous, voilà, vous êtes nombreux maintenant à pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle lors de vos procès. Voilà, je vous précise que à cause d'un avocat, donc grâce à cet avocat qui était bâtonnier, qui me refusait l'accès à la justice. Donc une décision au Conseil d'État a été donnée, a été rendue, et vous donne le droit d'avoir accès à un avocat. Ce qui paraît une évidence de base. Donc quand vos revenus, bon après il faut regarder le plafond, etc. Mais ça marche par tranche. Mais en tout cas, voilà, maintenant, c'est un droit hein, qui a été reconnu, donc c'est une jurisprudence. Et voilà, je suis adresse hein, vraiment un petit pied de nez hein, de ce que je me dis que bah peut-être bon c'est pas ce sera peut-être qu'un jour j'irai aux États-Unis, j'en sais rien. Hein.
En tout cas, ce ne sera pas grâce à lui, quoi. Voilà. Ou en tout cas directement. Et je vous mets une petite vidéo, donc après celle-ci. Vous regardez bien, en fait, c'est le barreau de Rouen. Et vous voyez vraiment cette personne en train de danser comme un pachyderme. Je trouve que ça résume bien, ça montre bien. En plus, il est même pas en rythme, hein. Il est même pas. C'est grave, quoi, ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est sale, c'est gras, c'est de la merde, tu vois. Donc, monsieur Eric De Stefano, notez bien son nom, hein, qui fait donc du droit social et qui refuse des avocats, enfin, qui refusait, hein, quand il était bâtonnier. Ça, pour ceux qui ne savent pas, un bâtonnier est censé normalement faire l'ordre auprès des avocats. Ce qui apparemment n'est pas son cas. Et moi, quand je l'avais sollicité, donc pour le litige que vous regardez en description, toujours, hein, il m'avait répondu oui, mais faut, grosso modo, oui, mais faut rien dire. Bon. Donc voilà, bah, là en tout cas c'est dit, c'est même bien dit. Et puis, j'espère que la mafia ça va, qu'on vous dérange pas trop, hein. Vous devriez même demander, monsieur De Stefano, votre carte au Circolo à Rouen. C'est un club qui regroupe tous les Italiens. Pas parce qu'apparemment de ce côté-là, moi j'ai envie de creuser, j'ai envie de faire mon enquête. Alors, je vous expliquerai après pourquoi. Mais je vous dis, voilà, monsieur De Stefano, tiens, il faudrait savoir si éventuellement vous n'avez pas votre carte là-dedans. Ce serait intéressant, quoi. Alors, tous ceux qui rencontrent éventuellement des soucis qui tombent sur cette vidéo, moi, je vous invite à me contacter, hein. Donc, je vous laisse mon adresse mail. Et surtout, il faut faire savoir, hein, quand vous avez des soucis comme ça qui se présentent. Faut pas hésiter à les montrer publiquement, hein, ces gens. Hein. Donc voilà, monsieur Eric De Stefano, avocat sur Rouen, pachyderme de la danse. Allez, voilà, allez, je vous remets le petit extrait. Hein, c'est quand même, faut les voir, hein, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Hein. Là, quand la vidéo a été parue dans la presse, tout le monde s'est foutu de leur gueule. C'est. Il y a une véritable mafia, hein, des avocats sur Rouen. C'est atroce, hein, par ça. Voilà, bah, bon courage à tous, quoi. Je vous ai résumé ce que j'avais à dire en 6 minutes 10. Ciao.